L'énigme qui pointe à la naissance de chaque printemps. Et l'angoisse, la peur de la laisser sans réponse. L'hiver, usant envers l'esprit d'une sorte de complicité, réduit le monde à un ensemble de signes presque aussi conventionnels et figés qu'une écriture. On peut refermer sa fenêtre sur un paysage de neige comme on referme un livre. Les textes disparaissent. Nous retrouvons notre pleine liberté. Rien de plus impossible qu'un échange si nous passons notre seuil. Chaque lampe, chaque étoile luit de sa stricte lueur. Les églises énumèrent les heures. La neige fait le compte de nos pas. Notre souffle lui-même, par quoi nous devrions être liés à l'univers, c'est une petite buée ronde et précise qui roule distinctement vers la lune. Mais maintenant que la présence du monde est inéluctable, cernée par elle nuit et jour, notre sommeil déchiré par ces oiseaux, frappé par la houle du vent nouveau dans les feuillages, et le regard, dès sa naissance, gorgé d'accord, le vieux désir, une fois encore, nous saisit de résoudre cette chatoyante énigme. Jadis, c'était par un bond de 15 lieues à travers les prairies, les villages, les forêts fraîches. Le sommeil, sous un frêne, vous débarquait à la pointe du jour, dans la rosée et les rêves étincelants. L'énigme était supprimée par une sorte d'adhérence inouïe. Mais on ne peut toujours s'abandonner. Pour enivrante qu'elle devienne, la confusion du questionneur et du questionné n'est qu'intermittente. Ce soir, c'est à un être terriblement distinct qu'un mince merisier en fleurs, le dernier à fleurir, une toute petite main blanche là-bas, imperceptiblement agitée, renouvelle la mystérieuse demande. Et il n'y aura jamais de réponse.